Oh wesh, frappe pas comme ça, nigger. Oh, cette puissance. Moi je vais à droite, les frères. J'ai le droit de me mettre à droite ou pas? Genre là de les couper. J'ai envie de les couper carrément. Oh, qu'est-ce que ils mettent des passages piétons là, frérot? C'est suicidaire ici. Allez, c'est parti. L'entrée du circuit F1. Là, faut libérer les chevaux là. Salut les mecs, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les mecs, j'ai pas envie de faire cette vidéo parce que j'ai pas envie de passer cette épreuve. Mais aujourd'hui on va passer le bac les mecs. Et je crois que je suis le seul qui va au bac en 50. Bac de français, aïe aïe aïe. J'ai envie de chialer frère. Le téléphone, vous avez vu la petite nouveauté, il va s'envoler carrément. On arrive dans 19 minutes. T'as vu les petites symphonies en roulant là? C'est pas mal. En tout cas les mecs, n'hésitez pas à passer sur mon Instagram. Je vous l'aurais bien montré là sur le téléphone en vrai. Allez liker mes petites photos là. Parce que vrai, je suis trop beau hein. Et là je vous jure, pour tourner des vidéos dans le nord, c'est horrible. Il fait tout moche, on est en juillet frérot. Eh, j'ai plus de voix, je vous jure, je crie dans le micro, j'ai plus de voix, c'est horrible. Faut aussi que je voie pour acheter un nouveau micro parce que celui-là quand je fais l'épée et tout, et bah il chie frérot, il chie dans la colle. Il nous a sorti une moto bécane, le frère. Ok, j'ai le rond-point à moi tout seul. On va faire frotter le genou ou pas? On fait frotter le genou ou pas? T'as capté. Hop, sorti. Attends, un petit peu de ralentissement. Voilà, là tu libères les chevaux. Ah là, tu repars. Oh, véhicule à l'arrêt dans 250 mètres. Oh frérot, on va travailler pour Wes là frérot. Alors il est où le véhicule? Ah ouais, il est toujours là, attends. Frérot, regardez, il est là-bas. Attends, on va faire une vitesse max. Hey, y a un décalage, hein. Regardez, gros décalage de fou. Il y a au moins 10 km/h de décalage. Bon, après ça c'est pas encore le compteur voiture, c'est le compteur téléphone. Oh les mecs, je stresse pour le bac là. Au blanc j'avais eu 13. Là j'espère avoir une bonne note. Vas-y frère, c'est trop long à apprendre les Baudelaire, La Fontaine, mes couilles sur ton front frérot. C'est horrible à apprendre. J'arrive pas, vous êtes team révision ou pas les mecs? Dites moi dans les commentaires parce que moi je suis pas du tout team révision hein. J'y arrive pas. Quand le truc il me plaît pas, j'y arrive pas. N'hésitez pas à vous abonner les mecs. Dans 12 393 abonnés, on est 100 000 wesh. Non t'inquiète frérot, merci de te décaler mais je suis en 50. Ah ils sont trop gentils les gens ici. Poignée dans l'angle, t'as capté là. Là le téléphone frérot il va s'envoler, je vais rien comprendre. Et les mecs, il y a tout le monde qui me demande quand je vais monter les pièces de la 50. Mais les mecs, en fait ce qu'il faut savoir c'est que il faut que ma copine vienne. Et je sais pas si vous, votre copine ou quoi, elle est près de chez vous, mais moi elle est assez loin. Attends frérot, il nous fait quoi le... Il nous fait quoi le frère? Il a failli m'écraser le frère. Heureusement qu'on a la puissance moteur requise. Ah, il y a la police, ah non c'est le radar. Et ça c'est bien, c'est pratique hein, cette petite application hein. On dirait que je suis un vieux qui dit ça. Mais moi je l'ai jamais utilisé. Parce qu'en vrai il y a un radar, donc pourquoi il y aurait la police plus le radar? Je comprends pas, ça servira à quoi de mettre police plus radar? Oh. Par contre ouais le radar là on va éviter une petite amende hein. C'est 50, on se met à 50 là, parfait. T'imagines il me flash? Attends, on va vraiment ralentir. Et regarde le mec avant, il vient de taper un frein à main limite. En vrai cette application c'est rusé hein. Au moins les mecs ils font gaffe, bah pas là frérot. Putain j'ai que le doigt là qui est smart touch, ah ouais j'ai pas l'autre. Ça c'est bien ça les gants qui sont comme ça. Oh là là le bac, comment je pars confiant, je vais me casser la gueule. Vous passez en quelle classe vous les mecs cette année? On va se mettre là hein. Nous de toute façon on fait des départs tuning. Alhamdoulilah. Tous les repas des dernières semaines. Ah ouais, il y a une voiture là. Vas-y. Tu vas m'énerver. Vas-y. FC Saint-Paul, frérot. Juste parce que t'as le... Wesh, il fait cool, lui. Wesh, c'est un fou, lui. Eh, c'est un malade, ce type. Ah, par contre, je vais te coller au cul, hein.
Oh là, t'as voulu me faire chier à te mettre sur la voie de droite, hein, je vais te coller au cul. Ça sert à rien de vouloir accélérer, je vais te rattraper, t'es là. En vrai, ça a l'air d'être bien là le truc, hein. Mais en vrai, il y a beaucoup de vibrations. Donc j'ai peur que ça nique le téléphone. C'est pas bon autant de vibrations pour un téléphone, hein. Mais c'est trop pratique pour avoir la route. Eh les mecs, c'est abusant ce moment sur le bon coin là, les prix des bécanes. Eh, y en a, ils abusent, hein. Vous dis un petit really truc, eh, vous allez péter un câble. Ça arrive en caisse, les mecs. Oh là là, eh. Le prochain truc qui arrive, il arrive en caisse. Là, vous allez. Je pense qu'on va rigoler. Le jour où je vais recevoir ça en caisse et qu'il va falloir le monter, oh, on va bien rigoler, hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 t'inquiète. Ouais, le clignotant, il est pas un petit peu tard, toi? On nous revoilà à la concession, frérot. Et y en a, ils ont rigolé dans les commentaires, hein. Ils m'ont dit, en vrai, tu fais beaucoup de bornes pour aller au lycée, c'est relou. En vrai, vous avez raison. Mais l'été, tu vois, quand il fait beau, ça fait plaisir. Enfin, après, il fait pas souvent beau dans le nord, mais t'as capté. Vas-y, hey, défi, on pose pas le pied. On pose pas le pied, on pose pas le pied. Vas-y, 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 vas-y. Wesh, le C4. Wesh, le C4. Allez. Bon, on n'a pas posé le pied, on a gagné, mais... Hey, y en a, ils s'endorment au feu, hein. Oh, ça, c'est un bonheur, regardez. Oh, le style. Oh là là, les mecs, en vrai, je stresse. Oh. T'es là, tu passes sur un texte que tu connais pas, vas-y, j'ai envie de pleurer. Ou même sur une examinatrice qui casse les couilles. Oh, ça, ça doit être relou. Pas. Hey, y'a du monde en vrai, y'a toujours du monde ici, c'est abusé. Hey, ma moto, je trouve, elle fait plus de bruit qu'avant, je sais pas ce qui s'est passé. Donc là, il nous reste 8 minutes de route. Ça va en vrai. Alors, voici le parc automobile Renault Dacia. Y en a, ils m'ont dit que c'était la même chose. Je vais pas te mentir, je m'intéresse pas à tout ce qui est Dacia, frérot, mais soit, si tu le dis. J'ai grave de l'avance, je crois que je dois être le dernier à passer. Petite priorité là ou pas? Ouais. Oh, c'est moi où il prend la voie de bus en scoot. Oh, je suis vraiment un kéké, hein. Oh, je suis vraiment un gros kékos, mais qu'est-ce que je kiffe faire ça. Petite sampé. Ça, tu le soulèves avec tes bras, frérot. Je te jure, tu te mets derrière, tu le soulèves. Ah, je vais pas vous dire qui arrive à soulever des voitures, mais eh, vous savez de qui je parle. Hein. Putain, frérot, Lucas, bonbon stent, les mecs, il te soulève des voitures sans permis à main nue. Et je vous jure que c'est pas une blague. Wop, 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 wop. Vous préférez une 100p, les mecs, ou une 50? En vrai, je pense qu'il y en a pas mal qui vont dire une 50, hein. Une 100p, qu'est-ce que c'est relou. Ça peut se débrider, hein, je sais, hein. On va pas dire un bonbon stent 90, mais après, il n'y a plus de direction. Il doit la faire au tournevis, frérot. Si vous avez pas vu les vidéos qu'on a fait avec sa voiture, les mecs, n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que je m'incline autant, moi? N'hésitez pas à aller voir, vous allez taper des barres, je vous jure. Trop drôle. Bon, on arrive dans 5 minutes. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Moi, bien. Hey, t'imagines, t'achètes ça, tu swaps le moteur, tu mets un gros moteur Audi Mercedes. Ah, y'a la popo. Y'a la popo. Regardez, ils sont là-bas. Ils me regardent, ils se disent déjà, oh, on va mettre les girons, on va l'arrêter. Ça serait pas cool de m'arrêter. Moi, j'ai rien demandé à personne. Hein. Moi, je suis tranquille dans mon coin. C'est combien là? Ouais, je vais signaler la police, frérot. Ouais, ils s'en tapent. Putain, je suis sûr. T'imagines, gros moteur, grosse ligne inox dessus. Ouais, ils me guettent bien les petites minettes là. Y'a de la MILF. Non, Léo, je t'en supplie, je t'en conjure, te trompe pas de route. Wesh, 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 wesh. Wesh, mon frère. Ok, je crois qu'on va là. Ok, c'était là. Ok, je suis un boss. Et ici, j'ai trop peur de me faire faucher, je te jure. Je comprends rien à la route. C'est à qui la priorité là? J'ai la priorité, vas-y, nique ta mère, je la prends. Je m'octroie la priorité. Bon, on arrive dans 3 minutes. On a besoin de faire des pattes. Hop, petit, tiens, hop. Là, faut faire attention là. Là, ça peut débouler de partout là, faut être sur le qui-vive. C'est pour ça, faut faire du bruit, faut avertir de ma présence. Ah, là aussi, petite priorité. Hop, voilà. Pas besoin de l'auto-école, moi, je les connais, moi, les priorités là. Ah. Ouais, je vous avais pas vu sur le passage piéton, quoi. Je vois pas le feu. C'est un peu con. Oh, la vie de ma mère, tu vas pas prendre ma place, toi. Et je te jure, je vais te fracasser. Essaye de prendre ma place. Non, mais non, me prends pas la route. Non, je voulais tirer un tuning. Mon dernier tuning de l'année, après je reviens plus ici.
Laisse-moi tirer le plus gros tuning de ma vie, non? Ouais. Le mec, je crois que j'ai jamais vu un mec aussi décontracté de passer le bac. Ouais, bah en fait, Hop. T'as, elle part, hein. Eh, faut s'accrocher, hein. Sinon, elle part sans toi. Elle a pas de scrupules, elle. Oh, elle pète. On fait des retours de flamme, carrément. Énervé, le loustique, là. Ouais, on va se caler, là, vite fait, là. Regarde. Regarde où on va se mettre. Oh là là. On est très bien, là. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrive à destination. Putain, j'arrive tellement en avance. Mieux vaut être en avance qu'en retard. Voilà, exactement. Bon, on se retrouve quand j'aurai fini et débrief, les mecs. Et moi, je suis passé sur une passante aussi, en fait. C'est vrai? Ouais. Bah, je l'avais pas appris, mais en fait, dans la salle, je l'ai lu juste avant de passer. Donc j'ai su dire des trucs vite fait. Elle t'a posé des questions, toi? Pas sur une passante. Hein. Ah ouais? Ouais, sur l'autre truc. T'as présenté quel livre? Nous, elle était grave méchante, genre en mode... Elle te disait pas si c'était bien ou pas, elle rigolait pas, elle détachait pas un sourire, elle... Ah ouais, non, moi, elle regardait pas et tout, hein. Mais wesh. En plus, à un moment, elle me demande un truc, j'arrive pas à y répondre. Et par curiosité, je lui demande la réponse. Elle fait ouais, c'est pas mon travail et tout. Tu iras pas demander ça à moi. Je fais hop, on va se calmer, Minette. Ah, elle était tendue du slip, hein. Vrai, on verra bien. C'est quand les résultats là, le 6 bon, ça va. Mais c'est que les résultats de ça ou l'écrit aussi? Non, moi, je suis sorti le dernier de la salle. J'ai même pas eu le temps de finir. En fait, les deux premières heures, j'ai dormi. Après, je me suis réveillé au bout de 2 heures. J'ai fait un brouillon. Mon brouillon, je l'ai fini à 17h15. Donc le temps de tout réécrire après, j'étais fini. Du coup, j'ai pas pu faire une bonne conclusion et tout. Donc en vrai, on verra. Bon, les mecs, je suis tombé sur un texte, frérot, j'ai envie de te dire. J'ai eu plus ou moins de la chance, en vrai. Parce que je l'ai lu 5 minutes avant de passer. Je suis passé, pour ceux qui connaissent, à une passante. À une passante Baudelaire, ouais, c'est ça. Donc en vrai, je l'avais lu juste avant. Je l'avais pas révisé chez moi. C'était l'un que je voulais pas réviser. En fait, je suis passé sur celui que je suis passé au blanc. Et donc le blanc, je me suis dit, vas-y, tu vois, je vais pas repasser sur un texte où je suis déjà passé au blanc. Et au final, bah si. Donc j'aurais dû le réviser. Mais ça va, donc au final, je suis tombé sur 2 textes que je connaissais pas, mais un que j'avais relu juste avant de passer dans la salle d'attente. Donc en vrai, ça va, j'ai réussi à dire des trucs. Donc pas dégueu. Et le soleil est arrivé entre deux. Je t'ai passé un petit point mort entre les deux, ça fait toujours plaisir. Une conduite agréable. On décrasse. Oh, comment il a grillé l'orange. On s'est fait un petit départ, frérot. Ils sont encore au feu rouge, là. Oh, je hurle. Eh, ça fait du bruit, hein. Ça, c'est vraiment roulant en ville, tu vois. Ça m'agace. Putain, je me suis pas mis sur la bonne file. Oh non, mais quel kikos. Vas-y, moi, je passe devant tout le monde. Rien à foutre. Oh là, on n'est pas mort. On a pris la tête de la course. Bon, maintenant, il faut trouver la route. Putain, j'ai pas mis le GPS. Oh non, le guignol. T'as pas l'impression que t'es sur la voie de bus, là, frérot? Qu'est-ce que tu nous fais? J'ai su dire des choses. J'ai su me débrouiller. Je m'attendais à rien, mais je suis quand même déçu. Ok, on passe sous le pont, là. Regarde, écoute le tuning. Oh, devant la police. Oh non. Oh non. Oh non. Merde. Ah putain, j'ai eu le seul qui commence à pas les voir. Ouais. Oh non, ils ont... Attends, ils viennent me chercher là ou pas? Oh, le Kikos. Oh, le départ tuning. Oh, l'Arteon, elle m'a déposé par terre là. Ah ouais, là. Ah là, elle m'a bien déposé par terre. Hein.
Salut, vas-y, tapez la pause les mecs. Je suis sûr, ils ont fait des dingueries. Les mecs qui gèrent ça, ils doivent se dire des fois les photos que les gens y font. Putain, il roule bien le mec, hein.